Alors, Joe, nous sommes à tes lèvres Oui, et on va à ta langue. recevoir, oui, on va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité avec le concours des auteurs Donna Jacek, Mila Chanchou et Colin Swanchan qui écrit pour Aïfotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatu et qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est marraine de l'Annual Show 20 Plus. On ne dit plus son nom. On lui dit par contre un grand bonsoir. Ah, d'accord. Ouais, c'est la nouvelle formule, je suis perdue. Hein. Quel rituel appelle, non, c'est ce qu'on appelle une interprétation en live, tu vois. On a, on a la musique sur CD, mais en live, on doit être featuring, Lydie, featuring. Imprévisible. Voilà, nous recevons justement la une légende. Fois, je vais vous mettre dehors. Voilà, c'est bien dit. Nous recevons justement une légende de la musique au Cameroun, une véritable icône. Et peut-être, si vous voulez, hein, je vous prête l'expression, une véritable, un véritable monument de notre musique. C'est le Makossa est sorti et allé au-delà du Cameroun, est allé au-delà de Douala, du Cameroun, a traversé les frontières du continent africain et même allé au-delà du monde. Il faut quand même compter sur des personnalités comme Moni Bilé pour l'avoir popularisé, en tout cas pour avoir fait le tour du monde. Moni Bilé, c'est un répertoire juste exceptionnel. La légende raconte que le titre Bijou, Moni Bilé, vous a pratiquement tout apporté, tout donné et que jusqu'aujourd'hui, quand même, quand on écoute, on a le sentiment de fraîcheur, de tout neuf de ses sorties hier. Vous avez commencé dans les années 80. Et si je me souviens bien, c'est en 79 que discographiquement vous commencez. C'est Ngandan Touba qui sort en 79 et puis il y a aussi Tapolambolam qui sort en 82, Chacun d'amour en 83, en 84, c'est ça, en 84, c'est ça la vie. En 85, un album en collaboration avec Bendeka, c'est dit si les génies se rencontrent à une certaine époque. Naligi, et puis il y aura Africa Melody, Makossa Ambiance, Affection, il y aura le Best Of qui sort en 90 de Moni Bilé, il y aura Moigné, il y aura O Africa, il y aura Amour et Espérance, il y aura Conviction. On est dans les années 2000, Moni Bilé, et on a toujours le sentiment en vous écoutant qu'on est, on n'est pas sorti des années 80. Ouais. Bon. On veut ce qu'on veut, mais la roue tourne, les temps passent, et peut-être des fois le Makossa, pour certains, a l'impression d'être défraîchi. Vous revenez régulièrement sur scène en 2007, par exemple, pour célébrer vos 35 années de carrière, et ça vous donne l'occasion de réunir sur la même scène que vous, des personnes qui sont de la même statue, des mastodontes, en conservant intact hein, ce qui s'était passé avant. Et c'est à ce moment, Lydie, c'est des moments comme ça que tu te dis que les artistes et la musique ne vieillissent pas. Ah oui, ils restent complètement intacts. C'est que les souvenirs nous reconnectent toujours à vous. Aujourd'hui, on est pratiquement à plus de 40 ans du début de votre carrière et on a toujours l'impression du neuf. C'est un plaisir à chaque fois de vous revoir, de vous recevoir. We'll be right back.